Oh là, on va douiller là. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. I have Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Non! Ça pique. Non, non. Non, non, non. Je crois que t'as un trou dans le ventre, là. Ah non, mais j'ai un petit creux. Voilà, c'est exactement ça. T'es con. Bon, passé. Oh putain. Là, ça va être fail, hein, parce que c'est que du QTE à la con. Non! Non, 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 non. Ils ont changé encore? Ils ont changé. Ta-na-na-na. On va y arriver, on va y arriver. Non, mais après, quand ce sera mon tour, je vais pleurer, je pense. Là, c'est ma mère. Ouais, le repas, il est prêt. Ouais, ça fait 3 heures qu'on attend. Oh, j'ai fait quitte, hein. J'ai des QTE. Tu vois, t'as raté le QTE de ton portable, tu l'as pas décroché à temps. C'est pas Eviren. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. Bien joué. Ah non, pas celui-là. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Je vais aller piquer avec les sticks. Ah, attends, c'est pas fini, je crois. Oh, oh. Merde! Séché! Ah, oh, c'était beau! Putain, mais pourquoi ils mettent X pour la touche de tir, s'il te plaît? Non, mais vraiment, au niveau des QTE, ils ont complètement foiré leur coup, quoi. Tu mets des QTE qui ressemblent à quelque chose dès qu'ils sont directement sous tes doigts, quoi. Et là, il n'y a aucun QTE qui correspond à ça, quoi. Encore, la manette, ça va, parce que c'est directement les touches normales, quoi, donc tu les as sous les doigts. Là, X, par exemple, pour tirer, c'est pas top, quoi. Ouais, ouais. Bah, s'il te plaît, moi, franchement, mais F et V... Mais non, j'ai appuyé. Oh, je pense qu'on va jamais y arriver, surtout. Ah non, mais les QTE... Entre toi, qui a ta manette qui déconne, enfin, que c'est mal détecté avec ton PC, à mon avis, je suis sûr que c'est ça. Et moi, avec mes touches de clavier qui sont what the fuck... C'est juste pas possible. Quoi. Ouais, ouais, tu as déjà dit. On va y arriver. De toute façon, mais on a fait ta gueule. Voilà. Surtout, c'est long, quoi. Oui, par contre, c'est vrai que c'est chiant. C'est pour ça, c'est que c'est long. Ah, mais on peut passer. C'est cool. Tiens, bouffe. Vas-y, échappe. Y'a pas de joystick! Allez, allez, allez! Voilà! Échappe! Je te protégerai, Chris! Thank you.
Je sens le vieux QTE. Ouais, là ça sent le vieux QTE tout pourri. Non, j'ai raté. La fenêtre pour mettre le QTE était franchement, c'était d'une seconde au poil de cul près. Ça, genre le temps de réaction humain, c'est une demi seconde. Non, non, non et non, 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 oh non, 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 refaire. Non. Ta gueule. Ta gueule, Wesker. Ta gueule, Wesker. Plus t'as un nom de merde. T'as un nom de produit de machine à laver. Allez, à toi de jouer. Là. Voilà. On a pas déjà fait celui-là. Celui-là il est tendu hein, putain il est seulement tendu. Ah bah je te parle même pas de celui-là mon gars. Allez quoi, mais en plus c'est chiant quoi, on voit ça fait tous les flashbacks de merde. Dans tout le flashback c'est jamais éculé. Ah la vache quoi. Et un volcan parce que Capcom. c'est ça quoi. Retire tes bottes, connasse. Ça c'est fait. Je suis désolé, volcan parce que Capcom quoi, c'est tout. Regarde-moi ça quoi. Non mais je d'accord, là je suis d'accord complet en plus. Hein. Par contre là je vais avoir un QTE avec Sheva, je vais me pourrir les mains. Je vais juste me violer les doigts, quoi. Pouah. Je vais enfin reprendre une position de doigt normale, quoi, parce que... Oula, quoi. Bah, t'arrêtes pas trop sur tes lauriers, parce qu'on va douiller, là. Ouais, ouais, mais bon... Tu vas devoir faire ma scène préférée dans le jeu, dans le what the fuck. Mais alors un what the fuck, mais le plus total, quoi. Bah moi je vais me mettre un full soin dans la gueule, parce qu'il n'y a pas moyen, quoi. Ouais, vas-y. Bah des balles de sniper, ce sera pour toi, de toute façon. La dame, on s'en branle. Il y avait un soin. Une grenade, j'ai plus. Une grenade, le soin je l'ai pris. I should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker. Over. I'm just getting started. C'est espèce de Transformers. Ah, puis surtout le boss qui ressemble à rien, quoi. Tellement déçu du dernier boss. Et ça, c'est la fuite. Oui. C'est la fuite, la fuite, la fuite. Oui, et puis alors là, putain, je vais juste manger le QTE le plus infernal du monde, quoi. Parce que on n'a pas encore fini avec les QTE, vous en faites pas. On va encore crever pour des conneries. Ah, mais là, j'en ai un, putain, mais je vais mâcher la manette, c'est abusé. Bienvenue dans le QTE qui fait mal aux mains.
Et croyez-moi, celui-là, il faut vraiment le plomber. Putain de nom de Dieu de pouet 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 pouet. Allez, 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 allez. Je passe en mode berserk. Ah plus, putain, genre, apparemment, horrible ce QTE, je suis en train de me bousiller les mains sur la manette. Ah, ah, ah putain. Ah, ah, mon QTE préféré. Ramène-toi. Ouais, mange. Franchement, là, si t'aimes les QTE débiles, tu vas rafler. Ouais. Jack, t'as pas l'impression que... Quoi? Bah, viens m'aider! Je ne peux rien faire, je suis censé me battre au Wesker, moi! Non, là t'es censé bouger le rocher! Ah bon? Eh oui! Merde! Faut que tu descendes et que tu viennes bouger le rocher! Et en plus, tu vas donner naissance au QTE le plus con de l'histoire, quoi! Bon bah en attendant, vous admirez donc la magnifique vue d'un volcan made in Capcom. Bien sûr, non. Il y a des arches comme ça dans les volcans. Ah oui! T'as vu ce QTE complètement con? Oui, le mec il met des grosses bofs dedans parce que... Je mets des coups de poing dans un rocher, je m'appelle Chris Redfield. Non quoi. J'arrive hein. Ah, la vache. Je me fais juste un soin, un power soin là. T'en fais pas, il vient plutôt vers toi, donc ça va. Et c'est bon, j'ai le magnum, on peut y aller. Ouais, c'est ça, ça arrive. Ah putain, quel con j'ai raté. Faire arrêter sur ses conneries là, comme ça. Putain, chier. Comment on fait déjà pour lui faire apparaître sa petite bille là? Bah, il faut lui tirer dessus. Bah, écoute, là j'ai mis des bonnes balles, y'a rien qui dit, tant pis. De ma tronche. Là, je sais pas ce qu'il fait, là, je crois qu'il est bugué. J'ai tenté de le pécho par derrière. Quelque chose de différent là, non? Non, non. Bah écoute, il m'a l'air complètement bugué ce pauvre ami là. Ce pauvre Wesker. Bah écoute, c'est la vie hein. Bon écoute, je vais me jeter dedans peut-être que... Bah là pour le coup c'est l'inverse. Alors, faut m'expliquer là quand même, parce qu'on n'était pas aussi loin que ça du bord hein. Ah, puis même moi j'ai pas compris, je t'avoue là. Non, il était bugué. T'es complètement bugué. Bon ben, trésor en chopé, on a chopé, ouais. Ah le trésor du coup. Ah oui, c'est vrai, les colliers en or. On a 2 cœurs pour 10 000. Eh ben, je vais pouvoir améliorer le flingue, nickel. Putain, mais j'avoue, quelle connerie ce boss, quoi. Ah non, mais d'une part, déjà, il est assez incompréhensible, hein, vraiment. La première fois qu'on le fait, mais on comprend pas. Mais vraiment, on comprend juste pas. Alors, améliorons la puissance. De toute façon, c'est que c'est... Je prends le lance-roquette ? Ouais, quand il... Je sais pas s'il marche sur lui. Bah, en fait, le lance-roquette marche, mais uniquement quand il a son point faible de le révéler, quoi. On va tester, hein. Il va faire mal ce gun, il va vraiment faire mal. Il fait aussi mal qu'un snipe à la fin, un snipe non amélioré. Ouais. Ah si, je suis déjà à 250 de dégâts. Toi, tu passes comme ça, je vais encore devoir me tuer les mains.
Oh non, et... putain, comme un con, je suis parti dans le mauvais sens, moi. Oui, 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 non, mais j'ai pas compris, là. Bah, c'est simple, ils me mettent en face, et moi, je pensais qu'on était, si tu veux, à la dernière phase du boss, quoi. Oui. Bah, on était pas à la dernière phase du boss. Ok. Du coup, réplique. Oui, mais même, j'ai pas compris pourquoi est-ce que t'avais foncé droit sur lui, quoi, du coup. Parce que même là... Bah, j'étais passé la première fois, et puis, écoute, la deuxième... Oh putain, mes doigts. Allez. Ah putain. Je vous assure que ce QTE... Ah puis alors si je fais pas ça, je tombe comme un con. Ah putain, mes doigts. Je sais pas si tu peux m'aider en plus. Je crois pas en plus, hein. C'est ça le pire. Il y a écrit aider, mais... Non, je crois pas je que tu pas puisses comment... venir et m'aider en plus, c'est ça le pire. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, 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 grimpe, ça va, putain. Bon, moi je prends une paire de tentacules dans la gueule, hein. Ah voilà. Non, putain, je venais de finir le QTE qui me tuait la main. Bah oui, mais tu veux que je fasse quoi? Le mec il arrêtait pas avec ses tentacules de merde, là, il s'était mis en mode tentaculaire à la con, là. Ah mes doigts, mes pauvres doigts. Tu as déjà fait le QTE avec Sheva là sur la pierre? Ouais, mais moi j'ai aucun problème avec les QTE. Hein. C'est comme les gens qui disent ah, ça fait trop longtemps que j'attire la touche Z, ça me fait mal au doigt. Moi ça me fait jamais mal au doigt. Bah, tu attends, mais t'as vu comme il faut mitrailler comme un enculé? Bah, je te rappelle que j'ai le même moi avec le rocher. Hein. Bah, non, moi avec Chris j'ai déjà joué, c'était quand même moins quoi. Là c'est vraiment pendant deux plombes sur la même touche quoi, ça me nique le bras. Hein. Bah, et moi ça change, c'est tellement mieux. Parce que avec Sheva, si un jour tu as l'occasion de faire ce QTE, tu verras, tu comprendras ma douleur. Bah tu sais quoi, je vais attendre que tu t'en sortes du machin de toute façon parce que... Just hold on, Sheva. Allez. Parce que je peux pas venir moi. Je peux peut-être te tirer dessus. Ouais, tiens-moi dessus, on sait jamais. Ça la motive peut-être. Parce que je peux pas passer de l'autre côté. Ah putain de putain de putain de putain, j'ai trop mal au bras. Eh ben putain, c'est pas dommage. Waouh. Ouais. Pourtant je dessine, donc les muscles du bras, normalement ça va quoi. Ok. x2. Mais genre, je perds de la vie quoi. Non, 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 non. Mais c'est quoi ce délire? Viens m'aider, comme ça je peux te soigner. Mais genre, je perds de la vie nature à cause des espèces de vieux spaghettis quoi. Et là, si t'arrives à balancer le rocher, je peux te soigner direct là. J'ai encore j'ai un soin direct aussi moi mais bon. Ah balance-le parce que t'as vu ta vie. Ouais mais de toute façon d'ici à ce qu'il arrive. Ça met, ça sera plus pratique si c'est toi qui m'a mis le soin. Ouais ouais ouais, on va faire ça. Allez Chrisou, un uppercut. C'est bien connu, les uppercuts contre les rochers, c'est la chose à faire. Mais non, mais putain de... Je hais ce jeu de merde. Je hais ce jeu de merde. Bon, ben le soin, désolé, il va falloir que tu te le mettes. Hein. Parce que tu sais, normalement, tu fais X pour sauter. Et ben il m'a fait guérir. En mode, va te faire foutre. Il limite, le jeu me regarde dans les yeux et il me fait ta gueule. Tac, j'ai esquivé. Ouais, t'approches pas parce que quand il fait ça, c'est le one shot, apparemment. Ah ouais, l'espèce de furie tentacule là. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt quoi. Point de contrôle, alléluia. Ah d'accord, mais c'est pour fait... ça qu'on pouvait pas avoir. Voilà, c'est parce qu'il a fait au mauvais endroit en fait. Fallait vraiment que tu me rejoignes. Sauf qu'il avait fait au mauvais endroit et tu pouvais pas quoi. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Bah si tu bouges pas, moi je bouge à ta place. Oh, par contre, je me repère de la vie comme ça normal quoi. Mais y'a rien, on va rien faire. What? D'accord. Et bon, je t'ai soigné. Tu vas crever, sac à foutre. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de le pécho dans le dos. On dirait pas. Ouh, ça pue. Ouh ouais. La furie tentaculaire, quoi. Et du coup, j'ai bugué, j'ai les spaghettis qui restent.
Ah, ça y est, son cœur se vire. Là, on peut y aller au cut, normalement. Cut. Ah non, pas encore. Il faut que se vire, il faut qu'il se vire. Ah, putain. Là, par contre, j'ai plus de soins, Pepper. Hein. Pas plus de démon. M'en fous, j'avance en quête. Je note. Non, mais parce que voilà, quoi. J'aime bien le... M'en fous, j'ai un lance-roquette. Bim. Putain, mais casse les couilles, l'antivirus, là. Votre mission est de secourir Chris et Sheva. Où comptez-vous aller? Je sais pas, on pourrait visiter un volcan. C'est trop ça. Bon, leur téléphone ont aussi le GPS et tout, quoi, mais voilà, quand même. En plus, ils ont dû halluciner. On a leur signal GPS. Ils sont où? Dans un volcan. What the fuck? Fumant, quoi. Tu vois, il perd son tâche. Tu tires un missile dans le cul? Je sais pas, mais ce serait rigolo. That was for our fallen brothers. Il y aura peut-être encore du QTE, hein. On sait jamais, hein. Il doit boire un soda. Non, il s'enfonce la paille dans l'œil. Oh. Même pour pisser droit, il y a un QTE, je crois. Yes. C'est pas hyper. Je suis blasé sur cette fin, sérieux. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Future without fear. Yeah, it's worth it. Fin de merde. Je suis désolé, mais je vais tracher la fin de Hero 5 parce que pour moi, c'est la plus pitoyable que j'ai jamais vue. Le boss est à chier, les derniers niveaux sont à chier, la fin est à chier, les QTE, c'est juste du martelage de touches. Un jour, essaye-le, le QTE de Sheva, je te jure, tu te pètes un doigt sur ta manette. Mais c'est toujours la même touche, hein, t'as même pas de combinaison à faire. Ah ouais, j'ai déjà fait, mais je sais pas, moi j'ai jamais eu de problème avec les QTE, quoi. J'ai... Enfin, des problèmes avec le martelage de touche ou maintenir une touche à pied pendant 10 minutes. Enfin, là, moi c'est la manette, donc peut-être c'est pour ça aussi, mais. Pourtant, je veux dire, je suis dessinateur, donc ben voilà, quoi. Le muscle du bras, il est censé travailler, les doigts aussi, quoi. Mmh. Mais là, abusé, quoi. Ouais. Non, puis cette fin, elle est moisie du cul. J'adore le jeu parce que c'est un défouloir absolument improbable. Il y a des trucs complètement cons et tout ça. Mais et regardez, il met des patates dans un rocher, quoi. Ce qui est très con, surtout, en fait, c'est que vous prenez rapidement au jeu, bon, en tout cas, moi, personnellement, mais c'est mon trip, de choper les armes et de les améliorer, voir ce que ça donne et tout, si c'est puissant ou pas. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a complètement accroché. Je me suis fait 6 fois le tour du jeu, comme ça, nature, sans avoir vraiment lâché, quoi. Mais oui, mais c'est ça, le problème, en fait, de jeu, c'est qu'il a tous les moyens, tous les éléments pour être un bon jeu. Parce que, ben, pour moi, c'est un mauvais Resident Evil, c'est un très bon jeu d'action, ceci dit. J'adore améliorer les armes, j'adore et tout ça. Par contre, les niveaux de fin, je les évite comme la peste. Mmh. En général, je m'arrête au laboratoire. Bah, de toute façon, vous avez bien eu l'occasion de le voir. Les premiers niveaux, tout allait bien. Le truc Maya au milieu, on le connaissait par cœur. Par contre, les derniers niveaux, à partir du truc du bateau, là, il n'y avait plus personne, quoi.
Ah ouais, on les évite comme la peste, et vous comprenez pourquoi, hein. C'est juste des derniers niveaux de merde, c'est bâclé. C'est pareil, le combat final contre Wesker, il y avait encore plein de trucs à faire normalement, des différentes phases du boss. Enfin, rien d'extraordinaire non plus, mais différentes phases d'attaque, on va dire, pour nous. Et du coup, vous avez pas vu à cause du lance-roquette, mais croyez-moi, c'est tant mieux, parce que sinon, on serait vraiment vite très très énervé là-dessus. Et on aurait juste saoulé, quoi. Ça n'a pas été très intéressant à voir. Quoi. Déjà que là, on s'était pas mal acharné avec les QTE. Ouais, c'est tant mieux, quoi, ce qu'on a fait. Mais même sans parler, je veux dire, si vous voulez un jour essayer Resident Evil 5, moi je vous conseille, ne serait-ce que pour vous amuser avec un copain. Parce que Jack, il me l'a offert, c'est cool. Là, moi je me suis éclaté sur les premières parties, mais vraiment, ça sentait de toute façon, je me suis éclaté, quoi. Mais les derniers niveaux, comptez pas sur un bon jeu, ça je veux dire. C'est compter sur un jeu pas mal, avec des bonnes qualités. Mais comptez pas sur un scénario, comptez pas en apprendre plus sur la série Resident Evil. Faites le 4, si vous préférez ce genre de gameplay, faites le 4. Il est carrément mieux. On peut pas y jouer à deux. De toute façon, la preuve qu'on ne comprend pas quelque chose par rapport aux autres Resident Evil, c'est qu'au niveau texte intéressant, on a eu que dalle. On a eu 3 trucs, enfin 2 trucs, délire. Ouais, mais dans le 1, il y avait déjà l'apprentissage déjà de tout ce qui était vraiment comment marchait le virus, les zombies, pourquoi, machin. Donc c'est vrai que déjà, là, c'est plus facile qu'il y ait des textes intéressants, machin. Mais c'est vrai que là, quand même, c'est beau, quoi, alors qu'on pourrait apprendre plein de trucs, quoi. Ils auraient pu faire un vrai background. C'est con. En fait, ils auraient pu faire un excellent jeu. C'est ça qui est dommage. C'est que, comme je disais tout à l'heure, ils avaient toute la base. Le système de grade des armes est parfois, certes, abusé, mais il est vraiment sympa. Moi, je me prends au jeu, comme dit Jack, à essayer de toutes les armes, à voir quelles armes correspondent plus. Ils auraient même pu pousser le vice encore plus loin, débloquer des pièces, comme on faisait dans certains Resident Evil. C'était super, ça. Moi, le 4, j'avais adoré débloquer toutes les armes. Je m'étais vraiment régalé. Hein. Le Red 9, c'était mon arme préférée. Mais on se fait chier, quoi, sur la fin. Sur la fin, c'est un gunfight, c'est simple. C'est je joue à Gears of War en mal fait, quoi. Et aussi, une autre preuve de ça, c'est qu'on n'a récolté aucun trésor. Et pourquoi ? C'est parce qu'il n'y en a vraiment aucun. C'est bon, il y en a forcément peut-être un ou deux qu'on a raté dans le tas. Mais sur la fin, il n'y a absolument aucun trésor à chercher, quasiment. Alors du début à la fin, on en a trouvé plein. Hein. Enfin, du début à la fin du début jusqu'à la fin de la moitié du jeu, on n'arrêtait pas d'en trouver des trésors, il y en avait plein partout. Ouais, on pouvait améliorer nos armes, on se prenait vraiment au truc, tandis que là, il n'y avait rien à faire, c'est bon, on se fait la suite, ouais, c'est cool. Voilà, je veux dire, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué sur ce let's play, je suis plutôt mauvais à Resident Evil 5. Voire même très mauvais. Pour mon excuse, pour ma défense, la manette sur le PC, c'est pas top. Honnêtement, je ne le referais plus. Mais je voulais pas changer au milieu, en cours de route, parce que ça aurait été réapprendre les touches, regalérer toi en plein milieu, c'est non, pas possible. Bah, c'est surtout qu'on devait quand même pas mal enchaîner pour dire que ça avance, quoi, parce que par rapport aux fêtes de Noël, tout ça... Ouais, y a ça aussi. Ouais. Je voulais faire un autre let's play avec Jack pour Noël, mais on n'aura pas le temps malheureusement, tant pis, parce que j'ai eu pas mal de boulot ces derniers jours. Et puis Jack, il est peut-être pas forcément que ça à foutre aussi. C'est surtout que la semaine, là, demain, j'ai la famille qui arrive et tout. En plus, je suis encore pris avec mon rhume et tout. Pareil, moi là je vais avoir 5 jours de vacances, alléluia. Parce que d'habitude les vacances, vous avez vos vacances et tout ça pour la plupart. Nous, dans notre école, c'est vacances, boulot quoi. Et tu taffes, tu taffes tes trucs. Là c'est pareil, hein, pour Noël j'ai du taf, j'ai plus juste pris 5 jours pour moi, 5. Donc je compte en profiter, et donc pas faire de let's play, rien... Voilà quoi, donc non mais ouais voilà, je suis peut-être pas très bon à ce jeu ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je sais que je suis une quiche, il suffit de regarder tous mes let's play, je suis pas très bon dans ces jeux là, même dans les jeux en général, je suis un gros casual de merde, mais c'est pour ça j'ai fait ça avec lui pour dire rattraper la chose, parce que sinon il serait jamais réussi à le faire, tout ça, voilà, bon. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais sauf qu'à la base jamais tu aurais fait jeu, je pense, en let's play. Non, parce qu'il est déjà surfait en fait. Voilà. De toute façon je présente énormément de jeux PS2, parce que justement il y a peu de gens qui montre certains jeux comme par exemple Demon's Stone, alors que c'est des jeux mais énormes quoi. Ah oui, vraiment, c'était génial. Demon's Stone d'ailleurs, un jour, vu que maintenant j'ai les Game Capture HD, un jour, mais peut-être cet été, quand j'aurai terminé mes études et tout ça, je referai peut-être en HD, parce que c'est un jeu qui vaut le HD. Il est énorme, il est peut-être court mais il est énorme. Moi je prends l'occasion, moi je pourrais faire mon premier let's play, Putain mais tu me fais chier avec ton expression les cons. Mon premier walkthrough, je pourrais vraiment le refaire en bonne qualité avec Fable Anniversary. Qui devrait sortir en début 2014. Et oui, très juste. Et ouais.
Enfin voilà, donc ouais, d'accord, je suis peut-être pas bon dans les jeux, mais justement, moi, je m'attache à d'autres choses. Pour ceux qui connaissent mes let's play et tout ça, je m'attache au graphisme, je m'attache à l'ambiance, je m'attache aux personnages, je m'attache au scénario. Sheva, ils la font passer pour une quiche alors qu'elle a le potentiel de devenir une seconde Jill Valentine. Ah bah, au tout début, elle était très bien. Au début, elle était très bien, mais après, c'est « Oh, ça bouge !» Lol, Marui. Oh, c'est une marque d'Airsoft. Donc, ah tu bon sais où est-ce qu'ils sortent leur modèle. Ah bah voilà. Ouais, Tokyo Marui, c'est une marque d'Airsoft. Donc voilà, Chris, ils auraient pu en faire autre chose aussi, parce que Chris a quand même un peu de bagou, même si c'est le héros typique américain. Mmh. Il fait très héros de nanar quand même. Hein. Ouais, la fin fait d'ailleurs extrêmement nanardesque, le début, ça va quoi. Ben franchement, non, ça va encore. Hein. Écoute, Wesker, pareil, ils ont bafoué un méchant de Resident Evil comme des gros cons quoi. J'avoue. Jill, c'est même plus bafoué, c'est que là ils l'ont violé à 5 dans une cave quoi. C'est juste n'importe quoi, le personnage est mort. Voilà, enfin ce genre de choses. Et après les armes, j'aurais aimé avoir encore plus de petites armes à la con à débloquer, des petits snipers tactiques, des trucs comme ça, avec plus de portée, plus de stabi, pouvoir améliorer plus de trucs, vraiment en faire un custom quoi. Au niveau des améliorations, c'est vrai que ça était sympa d'avoir un peu plus, mais c'était déjà pas mal. Niveau arme, on avait déjà putain 9 morts. Wow. Niveau armement, on a quand même une armurerie qui est très correcte. Hein. Je veux dire, on est limite auprès proche de la Call of Duty au niveau des armes. Je suis pas d'accord parce que dans le 4, il y avait pas mal d'armes aussi. J'ai l'impression qu'il y en a à peine plus que le 4, alors que là, ils avaient largement le temps de faire mieux. Je suis tout à fait d'accord parce que pendant le 4, il y avait plus de pistolets, ça c'est sûr, ils avaient abusé au nombre de pistolets. Fusil à pompe, c'est exactement les mêmes. Même plus, le Calhydra. Il y avait quoi? Il y avait le lance-grenade qui était un peu chelou, qu'il y avait, ouais. Il y a un sniper en plus, là, ici. Niveau mitraillette, on a plus, donc non, il y a plus d'armes. Ouais, mais je trouve ça pas énorme. Hein, tant que ça... Je trouve qu'ils auraient pu encore en faire plus, quoi. Mais peut-être changer un petit peu de la mitrailleuse ou trucs comme ça. Regarde, par exemple, le Punisher, mais il y a peut-être plus de guns, oui, ça c'est vrai. Mais le Punisher était vachement sympa. Rien que dans les flingues, il y avait une pléthore de flingues complètement énorme dans Resident Evil 4 hein, qui te donnait vraiment un gameplay différent. Le Red 9, tu mettais une crosse, il faisait super mal. T'avais le flingue de base qui avait beaucoup de munitions, le Punisher qui tirait 2 balles. Tu vois, ce genre de truc. Il y en avait un qui tirait 3 balles aussi en rafale, ou ce genre de truc. T'avais la petite... Enfin bref, puis t'avais la mission secondaire avec Ada, qui était géniale. Ça par contre, ouais, les entre guillemets DLC, du coup, on va dire le contenu bonus, qui était rajouté avec d'autres versions, était très bien sur Resident Evil 4 que le 5. Moi je les ai pas testés, mais toi tu dis que tu les as testés. Ben, je les ai vus en let's play en fait. Je les ai vus en let's play, ça donnait pas envie. Hein. Ça donnait vraiment pas envie. Ok. Donc du coup, à ce niveau-là, ça permet de répondre à une question. Est-ce qu'on fera les DLC du jeu? Probablement pas. Ouais, ben, à moins que vous le demandiez, hein, mais honnêtement, ça apporte pas grand-chose au scénar. Quoi. De toute façon, on va déjà se faire nous dans notre coin, et puis après, on verra déjà à partir de là, quoi. Si ça vaut vraiment pas le coup, on va se faire chier. Par contre, est-ce qu'on leur dit pour le let's play qui est en cours, où là, par contre, je vais vraiment kiffer ma race? Ah, ben, on peut leur dire qu'il y en a un qui va se pointer par la suite, mais leur dire que c'est, non, on va leur laisser de suspense. Ah, alors, suspense, alors dans ce cas-là, prochain let's play avec Jack Tarsonis, parce qu'on va continuer, enfin, en tout cas, apparemment, Jack a encore envie, moi, bien sûr que j'ai envie, nom de Dieu. Je me fais plaisir. Bah attends, je veux plus de toi. Moi aussi, je te veux plus. Donne-moi plus. Toujours plus de loot. Non, mais voilà, moi je prends. Enfin, avec Jack, maintenant ça fait un peu longtemps qu'on se connaît. Je veux dire, on prend vraiment plaisir à jouer ensemble. Donc ça fait. On va continuer dans cette lancée, ma foi. Et en plus, sur un jeu que j'attends, j'ai fait exprès, bande de gougnafiers, de me priver de ce jeu, de pas me spoiler, etc., pour le découvrir le jour où on fera le let's play. De pas regarder de let's play, rien, que dalle, rien, que dalle, peut-être les deux premiers niveaux à tout casser, je les avais vus il y a très longtemps, mais c'est tout. Et pour le coup, même moi je le connais pas, et je vais le faire aussi du coup en découverte, ce sera encore plus lol, et donc du coup par contre, on ne sera pas que tous les deux. Oui, on aura un guest en plus. Ah, ça donne de suite là, et puis sur un jeu où je me débrouillerai beaucoup mieux normalement. Bah tu peux pas te débrouiller beaucoup plus pire. Ça va, il y aura pas de sniper, donc ça va. Non, mais sérieux, les jeux comme ça va, j'arrive à doser en général. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour conclure? Il y aura. Par contre, il y aura quand même normalement une ou deux vidéos peut-être en plus. Je sais pas trop combien on pourra en faire du coup. Juste une seule, une grosse. Ou deux, histoire de montrer peut-être les premiers trésors.
Ouais. Et puis les armes custom et tout le bordel. Voilà, on voudrait faire une petite vidéo bonus quand même pour montrer peut-être ce genre de trucs. Les archives et compagnie, non, parce que certains disent que c'est quand on fait un jeu, faut le montrer à 100% et tout, montrer tous les documents, machin. Sauf que non, non. Alors, déjà, ça serait le bordel à organiser en fait, parce qu'il faudrait qu'on le fasse de l'autre deux côtés. Et qu'on récupère tous les emblèmes, donc voilà. Je suis partisan de faire les jeux à 100%, seulement. RE5, c'est un jeu qui a été fait de multiples fois dans tous les sens. Vous trouverez des let's players français qui ont fait ça, attaqué. Non, mais surtout que ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. C'est comme dans un GTA, récupérer tous les paquets cachés pour montrer le jeu à 100%. On a un peu rien à foutre, quoi. Oui, voilà aussi, quoi. Je veux dire, peut-être qu'à la limite, dans les parties, on vous montrera les armes, dans les parties qu'on fera en plus. Mais l'intérêt s'arrête là, honnêtement. C'est juste voilà. Du bonus pour du LOL. Je préfère faire à 100% plutôt les jeux qu'on a prévu de faire. Et même là encore, ça va s'accrocher, hein, va falloir regarder la solution dans ce cas, hein, parce que... Ben, peut-être pas le prochain, mais les deux derniers là que tu m'as passé, y a moyen de les faire comme il faut, cela. Ouais, y a encore. Et encore, on verra. Le fait est que si vous voulez des jeux à 100%, allez plutôt checker la chaîne de Jack, allez checker à la limite à la rigueur. Non, même sur ma chaîne, je crois qu'il n'y a aucun jeu que j'ai vraiment fini à 100%. Ah bah bravo. Voilà. En général, je finis mes jeux à 100%, donc... Le truc, c'est que quand il y a des détails que je sais qui ne servent pas à grand-chose, c'était comme, par exemple, quand j'avais fait Fable 1, j'étais parti avec l'idée en tête de faire toutes les portes démoniaques, de toutes les ouvrir. Sauf qu'en fait, la plupart sont pas très intéressantes, ça aurait demandé que je fasse pas mal de farm, grind et compagnie de mon côté, ce qui était pas forcément très intéressant pour moi et pour les autres, même si je montrais pas. Donc voilà, c'était pas intéressant. C'est comme l'exemple des paquets cachés, par exemple, dans un GTA 3 qui rajoute que les armes, on s'en fout. Si c'est vraiment un bonus intéressant, dans ce cas, je m'attarde dessus, de toute façon, d'office, parce que ça me fait marrer, pour le montrer. Ah bon, de toute façon, chacun après sa façon de faire. Hein. Moi, je respecte la tienne, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, voilà, RE5, allez voir d'autres let's play si vous voulez le voir en 100% bien fait. De toute façon, j'imagine qu'il doit y avoir une vidéo qui traîne quelque part, forcément en français, avec tous les documents, les trucs de recherche, machin. Ah ouais, non, mais. Parce qu'en plus, ça nous demanderait de faire de notre coin, de récolter plein de points, parce que vous voyez les rangs. Ça vous donne des points pour débloquer certains documents, par qualité du jeu, machin, truc et tout. Donc ça faudrait dire qu'on se refasse le jeu en boucle, machin, pour réussir à tous les avoir. Parlons des trucs débloquables. Voilà. Une honte. Ah oui, mais il y a des trucs qui sont aberrants, quoi, genre les filtres d'images. Les filtres, ils servent à rien. Vous avez le jeu en sépia, c'est cool, on s'en bat les steaks. Je débranche ma prise, j'ai le même filtre, si vous voulez. Enfin... Ah, du coup, on tourne au menu, quoi. Oui, direct. Pourquoi pas. Donc ouais, après, j'en ai même vu qu'ils faisaient le jeu 100% en pro. Enfin, je retrouve la playlist, mais il y a des mecs qui se gavent dessus, quoi. Donc voilà, c'est un jeu, on a fait juste ça, en fait, pour déjà, de 1, tester un petit peu ce que ça donne à 2. Pour l'instant, je pense que le résultat est plutôt positif. Et de 2, pour se faire plaisir. On avait vraiment envie de se détendre, quoi. Donc voilà, de toute façon, on va arrêter de blablater, ça sert à rien d'en rajouter, je pense. Ouais, on peut juste faire comme un rapide résumé du coup de tout ça. Donc le jeu, vraiment, c'est un très bon jeu à se faire à deux. Surtout que maintenant, il se trouve à pas très cher, rien que là, il y a les soldes de Steam actuellement. Mais bon, ça sera fini quand vous verrez cette vidéo. De toute façon, je pense que cette vidéo sera postée genre fin juin, quoi, quelque chose. Fin janvier, début février, quelque chose comme ça, je pense. Par rapport à raison, ouais, de deux chapitres par semaine à peu près, je crois. Ouais. Surtout que là, on a encore une vidéo de 2 heures par rapport à celle qui avait été avant. Qui a été oh putain, oui, elle. Donc je sais pas trop si on va mettre directement avec 2 heures ou si on va mettre juste 1 heure et puis après une autre session. On verra bien, on s'organisera. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup? Bref. Ben, donc oui, c'est un jeu qui est pas cher, qui est très sympa à se faire à deux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vraiment, à mon avis, je pense qu'il y a moyen de le trouver en neuf, genre sur Amazon, quelque chose comme ça. À moins de 15€ sans trop de problèmes. Au-delà, c'est une arnaque. Puis édition Gold avec tous les DLC, machin, quoi. Quoi d'autre? Bah, l'avis sur le jeu, tu l'as bien donné. Hein. Je te laisse refaire le tour. Bah, c'est simple. Excellent jeu d'action. À faire en coop, parce que seul, on s'emmerde un peu, mais à faire en coop, absolument. C'est... Vous savez pas quoi faire avec un pote? Resident Evil 5. Vous prenez les premiers niveaux, vous vous fendez la gueule. Y a pas moyen, quoi.
Par contre, quand même pas mal long, hein, en fait. C'est vrai que là, du coup, on en a pour une dizaine d'heures de jeu. Ouais, bah ouais, ça va, hein, c'est quand même pas mal non plus, c'est pas déconné. Et donc, voilà, vous avez sensiblement moyen de vous éclater copieux. Mais ça, ne cherchez pas un Resident Evil là-dedans. Ne le cherchez pas, surtout pas. Cherchez un bon jeu d'action, c'est tout. Et je vous conseille même de pousser le vice jusqu'à vous faire des petits défis ou de parfois de vous débloquer, par exemple, achetant les bonus, de vous débloquer un tétra bonus de la mort sur un Smith & Wesson, un Magnum et tout ça, et de roxer le jeu, même si c'est facile, vous vous en foutez, de roxer le jeu avec un Magnum, ou de roxer le jeu avec une mitrailleuse améliorée à fond et tout, juste pour vous taper des barres, quoi, parce que ça se tape des barres dessus. Hein. Regardez, au début, prenez, c'est simple, les deux tiers du jeu, on était pliés tout le temps avec Jack, on n'en pouvait plus. Ah mais vraiment, à deux, quand vous êtes avec un pote, c'est énorme, quoi, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est la fête du slip. Ne regardez pas la fin, ne faites pas comme moi à râler sur la fin, parce que c'est obligatoire, vous allez forcément râler sur la fin, elle est trop bâclée pour ça. Ça se voit trop. Tandis que le début, il est juste énorme. On se tape des barres copieux. Voilà, quoi d'autre résumé. Eh ben, écoute... Il va y avoir donc normalement une petite vidéo bonus, vite fait, une fois qu'on aura débloqué des conneries dans notre coin, voilà quoi. Il y aura d'autres jeux qu'on se fera donc à deux, ça c'est bon, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Hein. Quand, par contre, ce sera aussi une autre question. Hein. Il faudra déjà qu'on se fixe des trois jeux dans notre coin. Oui, oui, je confirme. Hein, parce qu'on est assez chargés tous les deux. Puis qu'on finisse déjà d'envoyer Resident Evil 5. Déjà aussi. Et oui, oui aussi, il y a ça, ouais, le plot, ça va être quelque chose, ça. Oh la vache. Vive la fibre. Oui, ben pas moi. je vais pleurer un petit peu. Donc voilà, on essaiera de se faire des petites sessions avec, entre nous, histoire de grinder pour pouvoir débloquer des armes et tout ça. Bref, le fait est que ben moi je tiens encore une fois à me remercier Jack, parce que c'est lui qui m'a offert le jeu. Que j'ai pas les finances moi pour ça, donc fatalement il m'a pris en pitié, vous comprenez, je fais mes yeux de cocker. Donc, merci énormément, Mecton, parce que, mine de rien, même si j'ai râlé sur le dernier niveau, putain, ce jeu, il me tue, quoi, enfin, je me tape à chaque fois des barres dessus. T'aurais même plus à te faire chier à lancer la console pour y jouer, dis donc, tu te rends compte? Ouais, j'ai plus à lancer ma Xbox pour ça, c'est fini, maintenant, je peux mettre Space Marine dans ma Xbox, c'est trop bien. Ouais. Ah, qui est bon, en plus, comme jeu Space Marine, dur, mais bon. Un grand merci, et surtout, un plaisir d'avoir tourné avec toi. C'est la même chose ici. Ça a été un sacré bon kiff, on s'est bien tapé des bonnes barres, enfin en tout cas de mon côté, et de mon côté, quand tu veux, on s'en refait une. Je suis en train de penser qu'au niveau vidéo bonus, de toute façon j'ai la vidéo du tout début du jeu qu'on avait filmé et que toi t'avais eu un problème audio. Oui, oh oui, pour le bonus. C'est pareil, c'était le début, donc c'était golden, quoi. Surtout, c'était la première session qu'on avait enregistrée directement. Enfin si, on avait joué 15 minutes quand même pour voir si le jeu tournait bien, s'il n'y a pas de problème de connexion ou quoi. Mais ouais, la partie directe en une heure, elle est pas mal, quoi. Ah, je crois qu'on toque à ta porte. Je crois qu'il a coupé son micro. Bon, et bien dans ce cas-là, je m'occupe du mot de la fin, là. Donc les gens, merci de nous avoir suivis. Ça, on espère que vous avez quand même pris du plaisir, même si on se faisait toller la gueule, etc. Que vous avez réagi aussi sur ce qu'on faisait, etc. On espère, en tout cas moi j'espère vraiment que vous suivrez nos autres let's play tous les deux, parce que mine de rien on se fait plaisir, ce serait quand même dommage quoi. Sur des jeux qui sont peut-être moins connus, donc cette fois ça aura un réel intérêt, vraiment. Si, il y a des bonnes communautés autour. Enfin, le suivant, il n'y a pas vraiment une vraie communauté dans un sens, mais... Mais je veux dire, en let's play, j'ai cherché, il n'y en a pas des masses. Hein. Bon, quand même. Ouf. Faut fouiller, faut vraiment fouiller. Ouais, c'est pas complet quoi. Ce suspense qu'on avait, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Et là, on leur sort un vieux Tetris, tu sais. Tout pour rire. Non, Columns. C'est la communauté du Tetris, mais il y a peu de gens qui le font en let's play, je comprends pas. Non, Columns, tu peux être un mode à deux. Ah oui, en plus, c'est vrai. Putain, donc voilà. Donc, les gens, merci de nous avoir suivis. Un gros bisou. On vous dit à la prochaine pour ceux qui continuent à nous suivre. Et moi, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant de dormir. Ciao, bye bye!
Salut et à la prochaine.